C'est avec grand plaisir et plein de joie que nous vous recevons dans l'enceinte de l'unité fonctionnelle régionale Mono-Koufo. Comme vous le savez, le programme d'appui au développement des filières agricoles, volet opérationnel, est mis en œuvre par l'Agence belge de développement, ENABEL, depuis le 1er janvier 2016. Pour atteindre ces objectifs, un des piliers fondamentaux du programme consiste à soutenir les projets portés par les opérateurs privés agricoles. À cet effet, un fonds de financement des filières a été mis en place pour financer et renforcer les capacités des entreprises agricoles. C'est dans ce cadre que des appels à candidature ont été lancés en 2016 et 2017 dans les 12 communes des départements du Mono et du Koufo. Au total, 378 coopératives et groupements de producteurs et 106 agri-entrepreneurs ont introduit des idées de projet. Après analyse et traitement de ces différentes idées de projet par les instances d'analyse mises en place pour la circonstance, il a été retenu à la fin 110 projets de coopératives et de groupements pour la promotion de la production agricole et la commercialisation, et 15 projets d'agri-entrepreneurs pour des services à rendre aux coopératives et aux unions de coopératives. C'est dans ces 15 entreprises retenues que 8 ont été orientées dans le service de prestation de services pour le labour. Il s'agit de 8 tracteurs, chacun équipé d'un rotavator et d'une charrue, 2 motoculteurs et 64 motopompes, 32 bâches, des bascules et 36 pulvérisateurs plus des brouettes seront remis à cette cérémonie. L'honneur me soit de prendre la parole au nom du préfet, au nom des préfets des départements du Mono et du Koufo, pour vous souhaiter la bienvenue à l'OCOSA à l'occasion de la cérémonie officielle de remise des équipements aux bénéficiaires du Fonds de financement des filières par le programme d'appui au développement des filières agricoles de la coopération Bénino-Belge et Naval. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Royaume de la Belgique pour ses nombreuses interventions au profit du peuple béninois à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et témoigner ma gratitude à l'endroit du gouvernement de la République du Bénin pour le choix porté sur les départements du Mono et du Koufo pour bénéficier de ces interventions. Profit vient ainsi soulager les peines des agriculteurs afin de booster la croissance économique dans les départements du Mono et du Koufo. Je tiens à exhorter les bénéficiaires, au nom des deux préfets, de ces matériels, à en faire un bon usage et que l'amélioration de la productivité dans les périmètres agricoles qu'ils exploitent soit une effectivité. La présente cérémonie de remise de tracteurs touche 8 unions communales qui recevront chacun d'un tracteur d'une puissance de 110 chevaux de marque Massey Ferguson, accompagné d'un rotovateur et d'une charrue de 4 disques, pour un coût total de 260 millions francs CFA. La mise en place des équipements impactera directement environ 3000 bénéficiaires, membres de coopératives, dont 1890 femmes, représentant 53%. Au-delà de l'appui matériel, les bénéficiaires recevront également un appui technique axé sur le renforcement des capacités en gestion d'une exploitation agricole avec la mise en place des outils appropriés et des formations sur la conduite et l'entretien des tracteurs et ses accessoires. Ces appuis visent à le professionnaliser pour une utilisation plus efficiente des infrastructures ou équipements reçus. Ces mesures d'accompagnement ainsi prises vise garantir une durabilité qui va au-delà même du projet.
Le souci principal visé par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à travers l'INABEL est que chaque bénéficiaire soit capable de reconstituer l'investissement après amortissement. Aujourd'hui, vendredi 8 mars 2019, un jour qui restera gravé dans la mémoire des producteurs des départements du Mono et du Koufo, qui avons eu le double privilège de bénéficier d'une part de la visite de notre cher ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et d'autre part de recevoir officiellement des machines et matériel agricole, de remerciements surtout pour tout l'effort et l'appui qu'apporte quotidiennement le programme Agriculture de l'INABEL au profit des producteurs afin de nous amener à booster considérablement notre production agricole et à améliorer nos revenus. C'est pourquoi nous prenons ici, aujourd'hui, devant le ministre et tout le public présent, l'engagement ferme d'utiliser, d'entretenir et de maintenir en bon état les équipements que nous venons de recevoir pour que ceci soit profitable pour notre bonheur et celui des populations du Mono et du Koufo. Permettez-moi, au nom du gouvernement et en mon nom propre, de joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour vous féliciter et vous adresser mes salutations à l'occasion de cette cérémonie de remise d'équipements agricoles aux bénéficiaires des projets d'entrepreneuriat agricole du Mono et du Koufo ce jour, vendredi 8 mars 2019. Ces équipements permettront sans nul doute de lever les goulets d'étranglement et les pénibilités relatives aux travaux de préparation de sol, labour et planage. Ces équipements, d'une valeur totale de 400 millions, je dis bien 400 millions, 260 pour les 8 kits et la différence pour les autres équipements accessoires vont fortement contribuer à l'amélioration de leur performance, à la création d'emplois, à l'amélioration des activités et par conséquent à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement. Ces matériels permettront d'impacter les populations des 12 communes des départements du Mono et du Koufo. En effet, l'usage de ces tracteurs permettra de rendre des services à plus de 3000 agriculteurs membres des coopératives des filières riz et maraîchage pour emblaver, tenez-vous tranquille, plus de 5000 hectares par an, créer des emplois directs et indirects et contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à l'accroissement des revenus des producteurs et des productrices. Mesdames, Messieurs, le 21 février dernier, les producteurs de l'Atakura et de la Donga étaient les heureux bénéficiaires de l'appui du profit en recevant 5 tracteurs de 72 chevaux plus accessoires, 21 batteuses vanneuses, 3 batteuses épierreuses, 67 charrues pour la culture attelée, 37 charrues de traction assine, 9 décortiqueuses manuelles de noix de cajou installées sur sa table. Pour appuyer également ces deux filières précédemment citées, le riz et le maraîchage. Ils sont très jolis, bien installés ces équipements, mais sans des hommes qualifiés et avertis, on ne saurait les utiliser à bon escient. Mon vœu le plus cher, c'est que avant que ces équipements ne vieillissent, vous devez pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour leur renouvellement. Si vous croyez que ça vous a sorti de la précarité, il faut faire l'effort d'économiser et de refuser de devenir plus pauvre.
donc à cette occasion solennelle, au nom du président de la République, Son Excellence Patrice Talon, remercier le Royaume de Belgique pour son engagement aux côtés du Bénin afin de lever les défis de son développement agricole. See you.